Coucou les chéris, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un veille, le jour de rentrée. C'est la fin des vacances, ça y est, on doit retourner à l'école. On est dégoûté, voilà. On se fait un petit coucou sans maman, petite intro sans la maman. Voilà, donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, like et commente. Activez la cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'on poste une vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné sur nos autres réseaux sociaux, on vous les met juste ici, Instagram, Snapchat et TikTok. Ah bien, truc. Ah, c'est le pseudo Moniemoff. Rejoignez-nous partout pour ne rien rater. Parce qu'on et comme on dit à chaque fois. Et vous partagez des univers différents sur tous les réseaux sociaux. Donc voilà, on ne vous parle pas plus longtemps. On vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, du coup, là, tout le temps, je fais un soin tous les dimanches. Je fais soin, bain d'huile et tout. Du coup, je vais le faire avec vous. Mes cheveux, ils sont très très sales là. Mais bref. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les humidifier un peu et je vais faire le soin numéro 3 de chez Olaplex. Il est trop trop bien celui-là. Je l'aime trop. J'en ai acheté des nouveaux d'ailleurs, des soins Olaplex. Il y en a un que je mettrai après la douche, je vais vous le montrer bien sûr. Là, je vais les mouiller un petit peu mes cheveux parce que avec ce soin-là, c'est mieux de les mouiller un peu. Celui-là, faut pas le laisser très très longtemps. Vous le laissez 10-15 minutes et c'est bon. Il y a écrit derrière. Voilà, 10 minutes. Ou plus longtemps si vous le désirez, mais bon, 10 minutes c'est largement suffisant. Normalement il faut utiliser 10 minutes quoi en fait. Ils sont vraiment graves. Bref. Ce débardeur je l'aime trop. Vraiment il est un peu, je sais pas où l'acheter parce qu'on me l'a donné. Mais franchement j'aime trop la matière, c'est trop bien. J'aime trop trop trop. Là je sais pas si c'est bien partagé en deux. Faut que je monte, faut que je moule là. Voilà, on mouille tout bien. Les pointes et tout. Et puis là, je viens de tomber sur des vidéos. Mes cheveux étaient bien. Ils étaient super bien la dernière. Là, je les trouve pas aussi beaux que les dernières. Je me suis tout mouillée. Il y a une serviette, la Lilia va me sortir de la douche. Va se sécher. Voilà. En plus, il n'en reste pas beaucoup. Hein. Ma mère, elle a voulu le racheter, mais elle s'est trompée en fait, je crois. Mais il n'en reste pas beaucoup. Voilà, oula, l'huile est super liquide. Après, vous voyez, on fait comme ça. Et on en met bien, surtout sur les pointes. Mettez-en bien, insistez bien sur les pointes. Et en fait, vous faites comme ça au début. Voilà. Et en fait, après, faites comme ça. Regardez. Là, je me lève pour vous montrer. Vous faites comme ça. Comme ça, en fait, vous en mettez bien entre tous les cheveux. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire quand vous appliquez un soin, n'importe lequel, c'est mettre du... Bon, j'en ai pas eu partout. C'est mettre du cellophane autour de votre tête. Et si vous voulez, vous pouvez mettre un foulard comme j'ai fait sur TikTok. Je sais pas. Voilà, moi je l'avais montré sur TikTok. Je vous montrerai là. Je le fais pas parce que c'est un soin qui dure 10 minutes. Mais pour les soins de 30 minutes, vous pouvez genre vous attacher votre cheveu avec une pince et vous enroulez votre tête de fil. Voilà. Donc je vais laisser poser ça 10 minutes et je vais pendant que mon soin il pose, je vais faire un petit haul. J'ai acheté des nouveaux habits et en plus je vais les porter pour, ça va être mon outfit de la rentrée avec les nouveaux habits que j'ai acheté. Du coup je vais vous montrer en même temps, je vais vous montrer mon outfit pour demain. J'ai même pas regardé la météo de demain, attendez je vais regarder la météo ici de demain. Bah demain il pleut, c'est super. Mais il pleut vraiment toute la journée en plus. Dégoûtée, je reviens et il pleut, d'accord. J'ai passé la semaine à la montagne. Et là, à peine je reviens, il pleut. Il pleut. Bref, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, je les ai mis dans mon dressing, mais ils sont encore étiquetés. Dites-moi que je suis pas la seule à faire ça. Genre, des fois, je mets des habits, mais je suis pas encore prête à les mettre, vous voyez. Mais je les laisse dans mon dressing, juste pour qu'ils soient rangés, pas qu'ils traînent dans ma chambre. Étiquetés. Mais bref. J'ai pris un jean chez Stradivarius, c'est le D92. Il est magnifique. Je l'ai pris en 36, en vrai je suis du 34, mais pour qu'il m'aille un peu large et un peu taille basse. J'aime trop les étiquettes, regardez. Et je l'ai acheté à Andorre, du coup il faut savoir qu'en fait les prix, vu que c'est une principauté, je crois que c'est par rapport à ça, mais je sais pas. Ils sont moins chers, bon pas de beaucoup, non sur le magasin, mais genre 99 centimes. Mais après sur les produits beauté et tout, il y a vraiment une grosse différence, genre sur les parfums et tout. C'est trop bien d'aller acheter là-bas. Bref, du coup j'ai pris en 36. Je vous montrerai porté du coup parce que je vais le mettre demain. Il est trop trop beau, noir. Et vous allez me dire, genre j'ai une passion pour les jeans noirs et les jeans gris. J'adore les jeans bleus aussi, mais les jeans noirs et gris, je trouve que c'est un charme. Faut que je m'achète un jean blanc.
Moi, j'aime trop avoir plein de formes de jeans, en fait. Genre, même si c'est plusieurs noirs, plusieurs gris, plusieurs bleus et tout. Mais genre, il faut que j'ai plusieurs formes. Genre, la forme baggy, la forme... Enfin, vous avez capté, quoi. Du coup, celui-là, vous allez voir qu'il est pas du tout comme ça quand il est porté, en vrai. Et Lilia, elle a pris aussi, elle, en 32, puisqu'il était en 32. Du coup, elle a pris comme ça, on est corda. On a le même, quoi. On prend ce corda. Après, j'en ai pris un autre chez Stradivarius. Vous savez que j'ai le gris. Enfin, je sais pas si vous le savez, mais maintenant, vous saurez, du coup. J'ai le D98 en gris. Voilà, j'ai celui-là en gris. Et cette coupe, j'aime trop. J'en avais trouvé aussi chez Mango, hein, de cette coupe noire. Mon noir, c'est un Mango. Du coup, voilà, il est trop beau. Un peu en bleu vieilli. Il est incroyable. Je vous les montrerai tous portés. Dites-moi si vous voulez une vidéo. Mais incroyable. Et lui, vous voyez, 25€ au lieu de 25,99€. Mais bon, en fait, quand vous regardez, vous faites votre shopping et 99, à la fin, ça donne quand même quelque chose, quoi, dans le prix. Donc voilà. Mais j'aime trop cette coupe un peu serrée sur les cuisses. Et là, un petit peu lâche, mais genre pas trop. Ça avait pas de def, quoi. J'aime trop. La couleur, j'en avais pas comme ça en plus. J'en ai que des clairs de jean. Vous voyez, j'en ai un. Il est comme ça. Ouais, il est vraiment très clair et tout. Du coup, je suis trop contente. Ensuite, j'ai des trucs qui sont là. Ah oui, j'ai pris ça. Ça va être trop bien. Celui-là, je l'avais vu sur une américaine et je le trouve trop beau. Enfin, toutes les presque, il y en a plein qui l'ont. C'est un pantalon de yoga, là, vous savez. La matière, elle est incroyable. Il est gris comme ça, avec ça qui se replie. Faut que je trouve un haut qui aille avec. Vas-y, rentre. Lilia, sur la douche, elle est toute belle en pyjama. Je vais... Tu savais comment? De quoi? Tu savais comment? Demain, je mets le noir. Et je pense que je vais mettre un Bershka. Et puis on a pris deux hauts, après vous allez voir, on a pris lequel même. J'en fais un petit haul, je sais pas, peut-être le gris. Délavé. Ouais, parce que demain il pleut. On s'habille comme ça tous les deux, ça se va. Si tu veux, on met notre grosse doudoune noire. Ça me va. Ça te va. Si ça te sinon, va. Sinon, si tu veux, on peut mettre la brume, ça déjà n'est jaune. Pourquoi tu me parles de parfum? Mais pour qu'on soit exactement pareil, on soit. On se gave comment? On se coiffe comment? Moi je suis détachée, ondulée. Ouais. J'ai cheveux bouclés, chat, oui. Ouais, je sais. Bon, ça me va, sinon je fais cheveux bouclés. Si tu veux, je peux te faire la même chose que moi. Ah, merci. Bon, je vais pas mettre tes chaussettes. Tu fais quelques trucs comme ça? Je vais pas tes chaussettes. Non, je te fais j'ai fait une tresse. C'est pas grave, je te les sèche après avec le Dyson. Non, maman l'a dit. C'est bien dormir avec des tresses. D'accord, les chéris, faut dormir avec des tresses pour avoir les cheveux de Queen. Comme les miens. En soi, ça va pas t'abîmer. Je t'ai dit quoi? On fait un trace. Bon, mais après, on va juste les cheveux détachés. Et je vais te donner un collier. Ouais, ok. Bref. Du coup, petit talon, petit truc yoga. Bon, lui, il est un peu pas def, mais je l'aime vraiment trop. Je l'ai pris en S et 15€ au lieu de 15,99€. Il est trop beau. Je m'en voulais trop un. Je vais me trouver un haut qui va avec. J'espère que je vais retrouver un haut vraiment de cette couleur-là, quoi. Ensuite, je vais vous montrer. Mais ça aussi, regardez, j'ai des tous rangés presque avec des oui, allez, sors. C'est ce petit Bershka, je pense que je vais mettre demain. Il est trop beau, il est délavé. J'avais un problème avec le délavé, genre j'ai acheté plein de trucs délagués. Délavé, vous allez voir. Donc chez Bershka, 8,99€ au lieu de. Non, 8,50€ au lieu de 8,99€. Bershka, il y a une plus petite marge que Stradivarius. Donc du coup, voilà. Petit haut délavé comme ça. En plus, il est un peu long, mais pas trop. Donc, c'est trop beau. Ensuite, ça, je l'ai acheté parce que j'avais peur qu'il n'y soit plus cet été et que je le voulais absolument. J'ai fait une crise d'enfant. Voilà. Très clair. Enfin, j'ai pas fait une crise d'enfant, mais genre, je suis devenue folle, quoi. Quand je l'ai vu, waouh, quoi. J'ai coup de cœur. Regardez-moi la beauté. Oh, ce bleu-là. Regardez-moi ce bleu. J'étais obligée de le prendre, vous savez, je l'ai en gris, je l'ai en blanc, c'est body, c'est ma matière préférée, je suis fan de ces body. Par contre, Zara, il n'y a aucune marge avec l'Andorre, c'est toujours les mêmes prix. Zara, toujours les mêmes prix. Du coup, voilà, je suis fan de ce petit body cet été quand je serai bien bronzée avec un petit shirt en jean. Pépite. Bref, ensuite j'ai pris ça. Alors celui-là, il faut savoir que j'en voulais un depuis super longtemps. Bon, j'en voulais un court de base, mais bon, lui, il est super, super long, mais vraiment très long. Mais la coupe, elle est trop belle. Donc au pire c'est pas grave, je m'en prendrai un cours. Je l'avais vu en cours chez Bershka d'ailleurs. Donc voilà, chez Zara aussi. Délavé, là il y a des espèces de petits trous comme ça. Je le trouve vraiment magnifique. Celui-là 9,95€. Faut savoir que chez Zara quand je prends du S ça me va. Alors que de base je préfère prendre du XS quand même. Mais chez Zara le S ça me va. Donc écoutez,
Voilà, alors lui, je l'imaginais pas si court. Mais il est vraiment très très court. Genre, je l'imaginais pas si court. Donc lui, c'est pareil, avec des petits trous comme ça, comme le petit débardeur. Zara aussi, 8,95€ aussi. Et c'est aussi du S. Mais voilà, je l'imaginais pas aussi court. Donc lui, ce sera vraiment juste en été, parce qu'il est vraiment très 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 court. Et voilà, je l'imaginais pas si court. Alors lui, il est trop trop beau, vraiment coup de cœur lui aussi. Il est très simple, moi vous savez que j'aime les trucs très simples. Donc il est gris comme ça, c'est presque le même que le délavé, mais en court un peu. Voilà, il est très sympatoche, 4,95€, c'est du S. J'ai obligé de vous montrer aussi que les débardeurs derrière, ils ont ça. Et je trouve ça très joli, la petite couture au milieu. Donc voilà, lui il est trop beautiful. Ensuite, ah, je me suis pris le bord du meuble. Mes petits doigts de pied. C'est bon. Attendez, est-ce que j'ai laissé... Non, j'ai rien laissé dans ça. Et il me manque en haut, là, dans le noir. Il me manque un petit haut que j'ai pris avec Lily. Hein. Voilà, il est là. Regardez. Celui-là, de chez Bershka. Petit haut comme ça. Il est très très fin, mais il est très très beau. En dessous, je pense que je mettrais une brassière ou un débardeur. Parce que... Enfin, c'est pas qu'il est transparent, mais enfin, un petit peu, quoi. Il est pas si transparent que ça, mais bon, voilà. Lui 7,50€ au lieu de 7,99€. Et on a pris toutes les deux qu'il y a. Je l'ai pris pour lui être, pour lui faire plaisir, pour qu'on s'accorda de base. Parce qu'elle en a vu un chez Stradivarius, je crois, des hauts comme ça, mais en bleu. Il était pas ouf, en bleu marine. Du coup, on lui a dit qu'on allait en trouver un autre. Et moi, je suis rentrée chez Bershka toute seule. Et je l'ai trouvé, du coup, je l'ai vite appelée pour qu'elle vienne. Et elle l'a trouvé magnifique. Du coup, elle a pris lui et moi j'avais pris le délavé et elle m'a dit ah on prend tous les deux les mêmes. Du coup on a pris tous les deux les mêmes parce qu'on avait pris le jean ensemble et comme ça on a dit on va faire des petits outfits ensemble. Et je le trouvais pas moche quoi, il est simple, la matière en plus elle est trop trop bien. On dirait la matière de mon doudou. Voilà, faut savoir que mon doudou c'est un gilet de base. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que j'ai pris, c'est déjà pas mal. Ah oui, c'est ce que j'ai pris chez Muy Mucho, c'est une boutique de déco et tout que j'adore. J'ai pris une boîte comme ça, regardez. Petite boîte comme ça, parce qu'en fait j'avais une boîte à souvenirs mais elle est trop moche. Et du coup il m'en fallait une jolie. Et du coup ben là j'ai tous mes petits souvenirs là-dedans. Voilà, j'aime trop les boîtes à souvenirs. Et là ben celle-là elle est un peu plus jolie quoi. Un peu beige, vert, je sais pas. C'est un mélange de vert et de beige. Du coup, incroyable. Voilà, voilà. Oui, je la range derrière mon dressing. J'ai une coiffeuse, une commode, du coup je la pose dessus. Du coup voilà, je pense que je vous ai tout montré. Je vais vous montrer mon petit outil de demain. Ben je pense que je vous montrerai demain parce que là je suis pas motivée d'essayer, mais peut-être qu'après je vais essayer pour être bien sûr que ce sera beau, parce que moi je suis comme ça, genre des fois le matin je suis capable de pas aimer et tout. Du coup faut que vraiment que j'essaye. Et du coup voilà, je vais aller à la douche parce que ça y est, ça fait 10 minutes que je parle et il est 21h. Donc je vais aller à la douche et on va aller manger. Parce que je vais me préparer une petite panière. En fait, pour aller au bain, parce que là je vais aller au bain, je vais me faire un masque, je vais prendre une basse bombe et de tout. Donc on va se préparer cette petite panière. C'est pas ça déjà. Je prévois de prendre cette petite panière qui est trop mignonne. Elle est rose, mais après, ça dépend la skincare. Qu'est-ce que je vais choisir comme bombe de bain? Parce que sinon j'en ai des petites comme ça. Je l'ai en rose, je l'ai en violet et je l'ai en beige. Donc on va voir ça. Je vais un petit peu sélectionner ce que j'aime. Et on verra après les couleurs, ça va mieux avec quelle panière. Je vais vous montrer mon panier à basse bombe. Enfin, mon tiroir à basse bombe. Hop. J'ai bien tout ça de basse bombe. C'est vraiment... J'en ai vraiment beaucoup, beaucoup. À chaque fois que je vais dans un magasin qui a des basse bombe, j'achète. J'ai des confettis. Hop, à la banane, à la myrtille, à la fraise. J'en ai plein. Une big basse bombe. J'ai des cafés, des tapis de chocolat, des glaces, plein de choses. Encore des petites confettis de bain, des petites fleurs. J'ai aussi des petits, des nacrés, des pierres comme ça, des arc-en-ciel, des smileys. Hop. Franchement, j'ai vraiment beaucoup de choses dans la basse bombe. Pas du choix. Hop, des petits sapins de Noël, des petits cœurs. Donc bref, j'ai beaucoup de basse bombe et je sais pas laquelle choisir, hein, parce que oh, il y en a tellement, je ne sais pas laquelle choisir, mais je vais réussir. J'ai sélectionné les trois basse bombes que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui. Je sais pas si je vous ai montré aussi, mais j'ai le papillon que j'ai eu à mon anniversaire de l'année dernière du coup. Et regardez-moi comme il est beau. Alors j'hésite entre lui, mais en fait il est tellement beau que j'ai pas envie d'utiliser.
Mais bon. L'arc-en-ciel, bon, en arc-en-ciel, j'avais acheté chez Primark. Un arc-en-ciel, pour moi, c'est basique. Enfin, j'ai pas envie d'une cuisine trop trop belle non plus. Et ça, je l'ai acheté chez Action. C'est un petit mug très mignon. Et en fait, si je veux prendre des violettes comme ça, qui sont à la mûre. Grape, c'est mûre, je crois. Ou raisin, je sais plus ce que c'est. Oui, et raisin, je crois. Grape. Donc voilà, donc ça, c'est sûr. Mais je ne sais pas laquelle je vais choisir entre toutes celles-ci. J'hésite vraiment avec celle-là et celle-là, mais celle-là. Elle n'a pas l'air de faire tant de couleurs en fait. Vu qu'elle est blanche. Bon, peut-être qu'avec les confettis ça ira bien. Je ne sais pas du tout. Ou confettis arc-en-ciel. Oui. J'ai aussi des passe-bombes là, donc on va regarder. Ah ouais, mais ça fait plusieurs fois que je les prends. Je suis une fan. Oh, elle est belle là. En fait, j'en ai tellement des belles, j'ai pas envie de les utiliser. Mais il n'y en a pas en trop là. J'ai un hippocamp. Il y a le XOXO. Ah ouais, il est où, non? Ah ouais! XOXO. J'adore. Ouais, j'en ai moi. Elle est bizarre comme ça, j'ai grave pas envie de suivre sa bille. Elle aussi, elle est super belle. J'en ai une violette aussi comme ça. On a une autre. Après, je me dis, tu vois, c'est des bas de bon. En vrai, ça se rachète vite. J'ai tellement pas envie. Bref. Ça, c'est la mienne, celle-là. J'ai choisi ce que je voulais prendre. Donc, déjà, j'ai pris la panière. Violette. Bon, allez, violette est un petit peu transparente comme ça. Dans la rose, on va pouvoir la ranger. J'ai pris la XOXO comme ça, les violettes. Une petite violette aussi. Et les grappes. En fait, la couleur du jour, c'est violet. On se fait un petit bain violet. Et la prochaine fois, je ferai rose. Et tutti quanti, dites-moi après vous si vous avez envie que j'en teste une. Pardon, oui, moi, je vais la colorer. Enfin, comme ça, je peux aussi vous montrer ce que vous avez envie de voir, quoi. Ensuite, j'ai choisi ce masque. Donc, il est violet. Là, vous le voyez, vous, bleu. Mais il est violet. J'ai acheté, enfin attendez, je l'ai en orange aussi. Et il n'y a pas longtemps, du coup, je l'ai acheté en violet. Donc on va prendre celui-ci, on va tester celui à la myrtille. J'ai encore jamais testé. Après, j'ai eu ça dans mon calendrier de Noël H&M. Donc du coup, je vais le prendre. Donc c'est un body wash violet, comme ça. Allez hop, on se le met. Ensuite, j'ai sorti pratiquement tous mes accessoires violets. J'ai pris un petit coton pour rincer mon masque violet. Un petit gouache à violet. Hop. Et ce que j'ai eu à mon anniversaire aussi, donc les violets en fait, dans la vraie vie. Mais vous le voyez bleu. C'est le petit truc mousse comme ça, là. De chez Shane. Voilà, pour faire de la mousse. Donc lui aussi, je le prends. Et let's go le bain. Bon, les chéris, 23h20, on n'est toujours pas couchés. Mais bon, c'est toujours dur de reprendre. C'est quoi ces trucs? Je sais pas, ça s'est mis tout seul. J'ai pas fait mon brushing, donc du coup Tata Emma a les cheveux hyper gonflés, voilà. J'ai essayé de les attacher vite fait en sortant de la douche, mais voilà, les cheveux, j'en ai pas, les cheveux naturellement raides. Pourquoi autant d'élastique? Je vais t'en faire 4. Du coup je vais faire les tresses ammonia, comme ça, vu qu'elles n'ont pas séché là et qu'ils sont tout truc. On va faire des tresses comme ça, pas de chaleur. Et là, on a Lilia qui est en train de faire sa petite skincare du soir. Voilà, mes petits produits Bayoma. Je suis heureuse. Ça, vous les a déjà montré. Le soir, elle met ses petites crèmes, son petit bandeau. Et attends, j'aime voilà. Faire fait les tresses. Voilà. Ça, c'est un coup où ça va dormir à minuit. Oh, et à 7h, ça va faire tout drôle, ah, les yeux. Yeah. Monia, demain, elle a 3 évals. C'est le premier jour. Mais maman, en fait, je t'explique. Tu peux me regarder. Sinon, j'aime pas parler aux gens. Tu me regardes pas. Je t'explique. Là, justement, si ce soir, on se couche tard. Ça veut dire que demain matin, on sera fatigué. Demain, au moins, on sera fatigué. Demain soir, soir, on sera fatigué. Donc, logiquement, c'est bon pour le cerveau. Moi, je suis très fatiguée. Bon, allez, on va faire les tresses à la miss. Ah, là, je vais me réveiller. J'ai pas envie, vraiment pas. Faut que j'enlève parce que j'ai 3 tresses. Et je suis habillée. Donc là, vous voyez que le haut, mais je vais vous descendre. Enfin, je vais le poser plus bas. Donc, voilà, j'ai outfit. Donc, en gros, ce jean, je l'ai pris, vous voyez, pour le mettre taille basse. Je l'ai pris pour le mettre en taille basse, c'est pour ça que je l'ai pris en 36 en fait. Et du coup, vu qu'il est long, ben, du coup, voilà, c'est pas trop court quoi. Et en fait, genre là, il me va long. J'ai fait 1m60, d'accord, c'est normal. Mais voilà, tous mes jeans ils me vont long, c'est trop chiant. Du coup, voilà, Lilia, j'ai pris le même, mais Lilia, il lui va un peu plus haut, je crois. Elle est un peu style baggy, mais bon, en fait, genre, ce qui est bien avec cette jean, c'est que je peux le mettre en plusieurs styles. Genre, je peux le mettre en taille basse, en mi-basse comme ça, genre juste en dessous du nombril. Genre, je peux faire ça aussi. Et là, il est un peu. Oui. Et après, en veste, je pense que je vais mettre cette veste.
cette petite veste. Voilà. Comme ça. Ça fait bien, non? Du coup, final, mes cheveux sont pas bien défaits encore. Je mets pas de veste en jogging en dessous de cette veste. J'ai laissé cette veste pour ce sera très bien. Je crois que je mets des chaussettes parce que j'aime pas la sensation des du jean sur mon pied. Oh, c'est chiant. Et on va faire ma petite routine. Je vais laver mon visage et on va la faire ensemble. Les filles, c'est des jumelles. Voilà, ils ont mis le même jean, bah, le même haut. Il y a même deux. Donne-moi la meilleure personne. Mais c'est pas grave, si je veux mettre eux, c'est pas vrai. Ah non, sont là, c'est bon. Donc voilà, ça y est, la rentrée est passée. Du coup, on va faire un petit résumé. Nos petits ressentis à toutes les deux, du coup. Tu commences ou je commence? Commence. Alors moi, franchement, ça a été très dur parce qu'au début, j'étais très fatiguée de se lever à 7h et tout. Oh, c'était horrible, ça. C'était très, très compliqué. Mais sinon, après, dans la journée, ça va. J'étais dégoûtée parce que j'ai repris avec 3 évals. Et qu'au final, il y en a une que j'ai pas faite. Du coup, je l'avais appris. J'avais fait mes devoirs pour rien, du coup. Mais c'est pas grave parce que je l'ai faite le lendemain. Et du coup, sinon, ben, ça va. Franchement, comme d'habitude, quoi. Moi, ça va, j'ai fini à 16h. En non, plus, j'ai fini à 16h. Et j'ai pas eu d'éval. En plus, j'ai pas eu beaucoup de devoirs. C'est bien passé. Moi non plus, voilà. J'ai pas eu beaucoup de devoirs. J'ai pas eu des matières nulles. Donc, c'était bien, c'était pas ennuyant. Donc, voilà. Notre petit résumé. Après, c'est comme d'habitude. Quoi. Voilà, c'est pas. C'est pas la grande reprise. On est pas foufou content comme c'était notre anniversaire, quoi, mais bon. J'ai foufou content. Ouais. Bon. Donc voilà, on espère que cette vidéo elle vous aura plu. Dites-nous comment s'est passée votre entrée à la zone C, puisque la zone A et la zone B, vous êtes encore en vacances. Du coup, dites-nous comment ça s'est passé. Et voilà, on fait des gros bisous. Bisous, bisous. Love you. Bisous, bisous. Bye bye.